Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Gilbert, donc je suis un des co-adaptateurs de La Tour des Anges, qui est le premier tome du deuxième cycle des Royaumes du Nord, de la Croisée des Mondes en vrai, je me trompe tout le temps mais c'est pas grave. Donc en gros, peut-être que vous connaissez les romans de Philippe Pullman, nous on les adapte en bande dessinée, il y a déjà 3 BD qui sont parus. Donc c'est Stéphane Melchior Durand au scénario et Clément Aubrerie au dessin. Et moi, je m'occupe en ce moment du deuxième roman, qui sera en 3 tomes, donc qui s'appelle La Tour des Anges. Cette bande dessinée, en gros, c'est l'histoire de 2 adolescents, donc Will et Lyra, qui habitent dans 2 mondes séparés, qui sont reliés par un portail. Et donc c'est une BD, on va dire, fantastique. Il y a plusieurs ambiances, comme en boîte. Non, il y a plusieurs ambiances d'univers, donc à la fois un qui se passe un peu on va dire au début du XXe siècle et un autre monde qui est contemporain. Alors l'intérêt aussi du projet, c'est que les personnages ont avec eux des démons en vrai on dit, qui sont un peu leur, on va dire leur esprit et qui sont un peu leur subconscient on va dire. La Tour des Anges, c'est un projet qui m'a été présenté au départ par Stéphane. Donc je connaissais les romans que je n'avais pas lus, je connaissais les BD que je n'avais pas lus non plus, mais en fait j'avais plein d'amis qui me disaient « Ouais, tu lis les romans et tout ». Puis j'aimais pas trop les couves des versions poche, je trouvais ça un peu trop jeunesse, comme ça j'étais un peu bête. Et en fait, quand Stéphane m'a proposé le projet, je me suis dit « Ouais, quand même, tout le monde dit que c'est bien, plein de gens bien disent que c'est bien, je vais quand même devoir me pencher dessus ». Et j'ai lu donc d'abord La Tour des Anges parce que c'était celui que je devais adapter, puis les 2 autres. Et effectivement, c'est de la grande, grande écriture, quoi. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est des romans qui existent à la fois en jeunesse et en adulte. Donc c'est vraiment l'idée du roman pour tous que moi, je trouve que c'est une super idée de pas forcément classer et la bande dessinée, le roman en jeunesse ou en adulte et dire, ben voilà, c'est accessible à tout le monde à partir d'un certain âge. Donc c'est l'idée qui me plaisait d'adapter ces romans. Ben alors l'adolescence, après j'aime bien, globalement sur mes bouquins je parle beaucoup du corps, que ce soit pour adulte ou jeunesse, et je crois que vraiment l'adolescence c'est un peu le moment critique et passionnant de l'évolution du corps et du mental de tout à chacun, et c'est une période qui m'intéresse, et voir comment le corps peut être contrit ou au contraire libéré, ça c'est vraiment des questions qui sont passionnantes. Et pour ce qui est des héroïnes, je trouve que c'est plus le cas, mais c'était des personnages assez peu représentés dans la bande dessinée, et ça fait du bien d'avoir tout type de représentation pour les lecteurs, quoi. Donc ça tombait un peu sous le sens d'avoir des personnages féminins comme masculins, en fait on s'en fout, on devrait s'en foutre. Ce qui m'intéresse, c'est en général, si je parle sur mes bouquins pas mal de la frontière entre le fantastique, on va dire, et le monde réel, c'est vraiment la juste limite, quoi, de trouver quand est-ce qu'on passe. On peut basculer de l'un ou l'autre. Sur la Tour des Anges, c'est clairement, il y a tout un aspect clairement fantastique, mais quand on prend tout le monde de Will, donc le Oxford contemporain, il n'y a rien de fantastique vraiment. Il faut creuser pour voir ces petites touches de fantastique. Et c'est Lyra qui l'amène d'ailleurs, c'est le côté rêveur de cet univers, quoi. Mais avant ça, Will, c'est un univers très concret, quoi. Et j'aime vraiment bien l'idée de partir du. De toute façon, c'est fantastique, quoi. On part d'un univers concret et puis on y met des petites touches de surnaturel. Si vous lisez la BD, vous verrez qu'elle est haute en couleurs et en action. Et c'est une planche plutôt graphique, contrairement au reste, qui est très descriptif. Et là, je me suis laissé aller comme vous voyez, le camaïeu de couleurs et même les choix graphiques où tout est plus découpé. Tout est presque beaucoup plus stylisé que le reste de la narration. Et je crois que cette espèce de pause graphique est un moment qui me plaît bien, quoi. De me dire, ben voilà, là, on va arriver, il y a du paysage qui n'est pas, c'est pas non plus, c'est pas tape à l'œil, mais ça, je sais pas, il m'a fait plaisir à dessiner et j'aime bien comment j'ai mis les masses de noir. Donc voilà, j'en suis content. C'est une planche dont je suis content. C'est pour ça que je vous la présente.